Alors voici une vidéo pour se connecter à la classe virtuelle du CNED. Alors ici je suis sur le compte professeur et là on va mettre le compte à droite ici, le compte élève. Alors sur le compte professeur, normalement on arrive, on a donc tous les cours ici et puis la classe virtuelle ici elle est présente donc dans ce petit encart ici et elle est cachée pour les élèves. Il n'y a que les enseignants, les professeurs donc qui ont accès à ces classes virtuelles. Donc ben, on rentre à l'intérieur, donc on clique dessus. Voilà, donc on a toute une explication ici. Et surtout, on a des liens. Alors ça, c'est le lien donc professeur. Et ça, c'est le lien élève. Donc c'est ce lien-là ici qu'il faut envoyer. Alors je prends entier. C'est ce lien-là ici qu'il faut envoyer donc aux élèves. Alors les élèves, ils n'ont plus qu'à le coller. Alors bien sûr, il faut ici un navigateur Chrome. Hein, sinon, ça ne fonctionne pas très bien. Donc sur Chrome, c'est pas mal. Donc ils colleront ici et ils pourront donc accéder à la classe. Et le professeur, donc même chose, il pourra donc ici accéder à sa classe. Voilà. Donc ici, en tant qu'invité, l'élève, il va taper son nom. Voilà, par exemple, rejoindre la session. Il faut autoriser le micro, ici. Il y a un essai, allô micro, voilà, où il fonctionne. Autoriser la caméra, même si on n'est pas obligé d'utiliser. Voilà, la caméra, elle fonctionne. Ici, voilà, donc l'élève ici est connecté. Et puis ici côté professeur, pareil, on est connecté directement et on voit quel est l'élève connecté. Ici, c'est Pierre, d'accord. Et la classe peut débuter.